Non, pas du tout. Si? Non, non. Sclérose latérale, amyotrophie. Non, pas du tout. Non, je la connais pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Non. Je connais pas du tout. Non, non. Non, j'ai entendu parler, mais non, elle m'a dit que bon, la sclérose en plaques, enfin toutes les dérivées, oui, je connais un petit peu, mais bon, ce qui touche spécifiquement cette maladie, non, je ne sais pas. Non, du tout, non. Non, moi je la connaissais pas du tout. Oui, je connais le nom, oui, je la connais de nom. Oui, heureusement pas en réalité, mais je la connais de nom, effectivement. Alors, parlons un peu de la sclérose latérale amyotrophique. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, c'est une maladie neurodégénérative, comme on dit, c'est-à-dire une affection dans laquelle les cellules nerveuses sont malades ou dégénèrent, c'est-à-dire meurent progressivement. Le nom a quelque peu évolué, la terminologie internationale la plus admise, c'est maladie du motoneurone. En fait, le motoneurone ou neurone moteur, c'est la cellule nerveuse qui fait fonctionner les muscles. On parle là des muscles insérés sur le squelette, et non pas des muscles que l'on dit lisses, c'est-à-dire pas de l'intestin, pas de l'estomac, mais des muscles qui permettent de faire nos mouvements, notre motricité volontaire. Nous avons besoin des muscles pour respirer. La maladie entraîne donc la mort par insuffisance respiratoire. Nous avons besoin de muscles pour manger. La maladie entraîne aussi un risque vital important par la dénutrition et les risques d'infection pulmonaire que va générer l'atteinte de la déglutition. Alors, c'est une maladie particulièrement sévère, certes, mais un point important est que le pronostic des gens va être extrêmement variable, puisque certains vont décéder très très vite, 3, 4, 5, 6 mois après le début de la maladie, et d'autres, comme Laurent par exemple, sont encore vivants après plus de 10 ans de la maladie. Et c'est un point qui est toujours très important à signaler, et même auprès des malades, même si bien sûr les survies longues sont relativement rares. Tout le monde ou presque a entendu parler de sclérose en plaques. Tout le monde ou presque a entendu parler de maladie de Parkinson ou de maladie d'Alzheimer. Eh bien, la sclérose latérale amyotrophique est plus incidente que la sclérose en plaques et que le Parkinson. Et elle est bien plus grave que l'ensemble de ces maladies. Je m'appelle Muriel. J'ai 25 ans et je suis la fille aînée de Laurent. Donc avec ma sœur, on a grandi avec cette maladie. Ça chamboule une vie, mais pas tout de suite. Au début, je prenais ça comme un jeu. C'était même agréable de passer du temps avec mon papa qui était de plus en plus souvent à la maison. Et c'est après, en grandissant, qu'on comprend les choses. Et là, je suis très contente que ça fait 10 ans qu'il se bat pour rester en vie, parce que ça me donne une image d'un père qui combat. Et je suis très fière de ça. Ça m'aide à grandir. C'était un homme très très actif. Il faisait 2 journées au lieu d'une. Tout le temps dehors, je veux dire, c'était un homme d'extérieur, c'était quelqu'un de vivant, qui s'occupait des autres tout le temps, qui voulait donner le plus de lui. Laurent, si je devais le définir, c'est quelqu'un qui pense, hein, c'est quelqu'un qui pense très vite. La première fois où je l'ai vu, en tant que patient, je suis venu ici, il avait les premiers problèmes respiratoires, c'est là où j'ai commencé à m'en occuper. Et je n'étais pas revenu à mon bureau, que j'avais déjà un mail où il avait tout compris dans l'évolution de sa maladie, dans ce qui pouvait arriver. Et sur une lettre, il avait tout dit. Il avait dit qu'il voulait vivre jusqu'au bout, qu'il voulait aller au maximum du maximum. Alors Laurent Rodriguez, je le connais depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois que je l'ai connu en 1992, quand il est venu à la consultation. Le diagnostic a été posé dans le service, puis confirmé par d'autres services, car il a pris pas mal d'autres avis neurologiques et ayant du mal finalement à encaisser le diagnostic de cette affection. Il a eu d'autant plus de mal que c'est quelqu'un qui était extrêmement actif. C'était un bâtisseur,
C'était un homme extrêmement dynamique quand je l'ai connu. Et puis, même s'il a arrêté de bâtir au sens construction de maison, il a continué de bâtir beaucoup de choses et il a continué d'être extrêmement dynamique. Laurent ne peut plus parler depuis bien longtemps. Il ne peut plus avaler, il ne peut plus manger. Il est nourri par sonde de gastrostomie, une sonde directement placée au niveau de l'estomac qui lui permet de s'alimenter. Et depuis quelques mois maintenant, il a perdu la capacité à respirer de manière autonome du fait de la paralysie des muscles respiratoires. Et Laurent a une trachéotomie et il est ventilé de manière artificielle. Actuellement, seules les paupières chez Laurent continuent de bouger. Mais, petit détail aussi, même si le mouvement est ténu, on le perçoit très très bien. Laurent peut sourire parce qu'il a toujours cette faculté qui est restée en lui de positiver les choses. Et il n'est pas du tout avare de sourire et dans la difficulté de sa situation, de son handicap, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et puis bien sûr, il a gardé son intellect, il a gardé son dynamisme, il continue de travailler sur un ordinateur, il a fait énormément d'adaptations dans son domicile pour discourir, converser avec lui, échanger des idées, toujours dans une détermination absolue, toujours dans une grande bonne humeur et dans un humanisme particulier et dans un volontarisme tout à fait exceptionnel qui caractérise son action.